Bonjour, je m'appelle Pauline Valch, je suis en première bac pro sympathie, service aux personnes et au territoire à la maison familiale de Saint-Renan. Avant de venir à la maison familiale, j'étais au collège de Saint-Stanislas à Saint-Renan, de la 6e à la 3e. Depuis la seconde, j'ai pu effectuer plusieurs stages en crèche, en EHPAD et en restauration collective, mais j'ai aussi pu effectuer des stages avec une aide à domicile et en mairie. Le stage qui m'a le plus plu, c'est en EHPAD, car les relations avec les résidents sont enrichissantes et c'est une belle expérience à faire. Plus tard, j'aimerais être infirmière en EHPAD ou hôpital avec différents publics. J'ai choisi la voie professionnelle car j'avais envie de découvrir l'alternance, de faire plusieurs stages et de décider de mon orientation après le bac. Les intérêts des stages pour moi sont que ça permet de découvrir le monde du travail, d'avoir des expériences professionnelles et d'avoir du contact avec différents publics. La formation en alternance est accessible à tout le monde à partir du moment où tu es motivé, que tu as une bonne organisation dans le travail d'alternance et que tu as un bon rythme de travail à la MFR. Les précautions en alternance, je dirais qu'il faut faire attention à ne pas se laisser déborder par le travail d'alternance, par les cours, s'organiser dès le début de l'année, car l'année passe très vite et en étant en alternance, il faut avoir un bon rythme dès le début. Je n'ai absolument aucun regret par rapport à l'enseignement traditionnel, car l'alternance est pour moi un plus dans le parcours scolaire d'une personne. Ça peut faire mûrir et prendre de l'expérience au fur et à mesure des stages pour une future orientation professionnelle. Bonjour, je m'appelle Angie Verbigochette, je suis élève en première bac pro service aux personnes et au territoire à la MFR de Saint-Renan. J'ai 17 ans. Avant de venir à la MFR, j'étais en 3e dans un collège traditionnel, donc au collège Nelson Mandela à Plabennec. Après la terminale, j'ai un projet professionnel, c'est de rentrer en école d'auxiliaire de puéricultrice qui dure un an et ensuite d'aller en STAPS parce que j'aime travailler avec les enfants et j'aime aussi travailler dans le milieu du sport. Depuis la seconde, j'ai fait plusieurs stages, mais il y en a 4 en particulier qui m'ont le plus plu. C'est un stage en restauration collective dans un collège, un stage en médiathèque, un stage en école avec des ATSEM et un stage dans mon club de basket à Gouesnou. C'est dans ces stages-là que je me suis sentie le plus à l'aise et le plus à ma place. Ensuite, parmi ces 4 stages, le stage qui m'a le plus satisfait, c'est celui que j'ai effectué en médiathèque parce que c'est dans ce stage-là que je me sentais le plus à ma place. Les salariés m'ont traité comme une salariée, comme si je travaillais là depuis longtemps. Ils me donnaient des responsabilités, des tâches importantes à faire. Et c'est ça qui m'a permis de me sentir à l'aise et à ma place. Alors moi, personnellement, j'ai choisi la voie professionnelle car j'avais des difficultés scolaires. J'ai donc choisi de venir à la MFR pour rentrer dans le monde du travail. Alors, en stage, il y a plusieurs intérêts. Donc, c'est d'apprendre le monde du travail, apprendre à être moins timide, apprendre à être plus sociable et apprendre à être ponctuel surtout, parce que c'est très important. Alors, la formation en alternance, c'est pas si facile que ça. Parce que quand on est en stage, il faut penser à faire nos devoirs. Et parfois, vous allez commencer très tôt le matin ou finir très tard le soir. Et vous allez être fatigué de votre journée, donc il faut y penser. Il faut avoir une certaine organisation. Les précautions et les points de vigilance à prendre en compte, c'est que vous pouvez aller pendant plusieurs temps en stage, donc ça veut dire que vous n'allez pas en cours. Donc vous pouvez passer 4 à 5 semaines sans aller en cours, mais avec beaucoup de devoirs à faire. Donc il faut vraiment penser à aller faire vos devoirs. Il faut aussi trouver ses stages en avance et pas arriver le jour J en disant que vous n'avez pas de stage. Oui, j'ai un petit peu de regret d'être venue en maison familiale parce que nos horaires sont... On n'a pas d'horaire de coupure. Alors, on fait tous les jours les mêmes horaires. Donc ça, c'est un peu embêtant. Il y a aussi le fait qu'on peut passer 4 à 7 semaines sans aller à l'école. Et ça, personnellement, ça a été très dur pour moi de me remettre dans le bain, de retourner à l'école. Venez à l'MFR de Saint-Renan! Nous nous présentons, Kériane. Moi, c'est Justine. Donc, nous sommes en bac pro première sapate à la MFR de Saint-Renan. Nous sommes arrivés tous les deux en 3e en 2019. Donc, on a un projet professionnel qui est... personnellement, moi, c'est être éducateur sportif.
Et moi, éducateur spécialisé. On a fait plusieurs stages depuis notre entrée en troisième, comme des stages en maternelle, en EHPAD, avec des personnes en situation de handicap, etc. etc. quoi. Ouais, donc en gros, comme elle vous l'a dit, vous pouvez aller vers les personnes âgées comme des personnes en situation de handicap ou des enfants. Ou des enfants. Donc on a effectué plusieurs stages. Donc moi personnellement, j'ai beaucoup aimé le stage MAP sport adapté. Moi, c'était plus celui en animation. Après, on a choisi en fait la voie professionnelle parce que en soi, le général, genre ça ne nous plaisait pas trop. Et on n'aimait pas genre être vraiment tout le temps en cours. Alors que là, du coup, on peut découvrir plusieurs métiers avec les stages. Voilà quoi. Ça fait une coupure quoi des cours en soi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, il y a tout autant de travail, on va dire, que quand on est en stage. Ouais. Alors vous aurez des rapports et des oraux. Des oraux aussi. Pour chaque stage tout le long de l'année. Donc la formation, elle est accessible pour tout le monde personnellement. C'est difficile trop à dire. Ouais, on peut pas trop le dire en vrai, vu que c'est en fonction de chacun en soi. Alors facile, aussi pareil, c'est en fonction de chacun. Après, faut pas croire que parce que on est en stage, en cours en stage, qu'on n'a pas forcément beaucoup de travail. Ouais. C'est d'ailleurs même le contraire, hein, forcément. Plus vous êtes en stage, plus vous aurez de travaux qu'en cours, que quand vous soyez en cours. Donc clairement, je pense que c'est à la portée de tout le monde après. Après, nous, on n'a pas vraiment de regrets. Je sais pas, moi j'en ai pas, toi. Non, personnellement, non, après on voit les évolutions. Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est pas parce que vous faites une année que vous êtes obligé de faire les autres années d'affilée. Ouais, voilà, nous on a choisi ça parce que c'est ce qu'on veut faire plus tard. Voilà, et puis quand on a vu qu'en troisième ça allait, que ça, c'était mieux qu'en général, on a continué. Voilà. Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 17 ans. Bonjour, je m'appelle Alizée, j'ai 18 ans. Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 17 ans. Nous allons vous présenter notre parcours scolaire avant la MFR. De la 6e à la 4e, j'étais au collège Saint-Stanislas à Sarrenan. De la 6e à la 4e, j'étais au collège Charles de Foucault à Brest. De la 6e à la 3e, j'étais au collège Nelson Mandela à Plabennec. Je suis venue à la maison familiale pour découvrir différents métiers en lien avec des personnes âgées. Moi, je suis venue à la maison familiale car le domaine service à la personne me plaisait beaucoup. Car pour plus tard, j'ai projet de faire aide-soignante. L'alternance, c'est assez compliqué parce qu'il faut savoir s'organiser entre les cours et les stages. L'alternance, c'est intéressant pour découvrir le monde du travail. Mais il faut savoir faire aussi la différence entre la vie professionnelle et la vie privée. On ne regrette pas d'être venu à la MFR. Bonjour, je m'appelle Hélène Saliou, j'ai 20 ans et je suis élève de promo bac pro SAPAT à la MFR de Sarnan. Bonjour, je m'appelle Emma Derrien, j'ai 16 ans. Je suis actuellement en première bac pro SAPAT, service aux personnes et au territoire. À la fin de mon collège, je suis partie en CAP service à la personne et vente en espace rural. Et à la fin de ma formation, je suis partie en bac pro service à la personne. Moi, avant d'être à la MFR à Sarnan, j'ai été dans un collège général. Voilà. Donc pour ma part, plus tard, je voudrais travailler en maison de retraite, donc soit avec les aides-soignantes ou les animatrices. Du coup, mon projet, c'est de faire auxiliaire de puériculture en crèche. Donc moi, depuis ma seconde, j'ai fait plusieurs stages. Donc je suis allée en MAM, en centre aéré, dans un EHPAD, dans une clinique, dans une cuisine collective. Du coup, pour ma part, j'ai été en restauration collective, en école maternelle, en centre aéré, en EHPAD. Après, j'ai fait la crèche, j'ai fait le secrétariat et j'ai fait aussi en classe du lycée. Donc le stage que j'ai préféré, c'est celui que j'ai fait en EHPAD avec les animatrices parce que c'est ça que je vais faire plus tard. Du coup, moi, le stage qui m'a le plus plu, c'est la crèche parce que je voudrais faire ça plus tard et j'ai bien aimé le contact avec les enfants. Donc pourquoi on est parti en alternance ? Et bien tout simplement parce que le système scolaire ne nous plaisait pas forcément et on préférait du coup avoir autant de stages que de cours. Du coup, les intérêts des stages, c'est de découvrir de nouveaux métiers comme aide-soignante, auxiliaire de puériculture et tout ça. Ça fait permettre de découvrir de nouvelles compétences et de connaissances comme prendre confiance en soi et tout ça. Être plus autonome. Voilà.
Alors l'alternance c'est pas forcément facile parce qu'il faut pas oublier que du coup il y a les stages et les cours, c'est-à-dire les devoirs. Donc c'est vraiment très compliqué pour certaines personnes de s'organiser et c'est très important d'être organisé à ce moment-là. Donc non, c'est pas forcément facile mais c'est pas vraiment dur en fait, il faut juste s'y mettre du sien en fait, c'est surtout ça. Donc la dernière question est la plus importante, est-ce qu'on regrette d'avoir quitté l'enseignement traditionnel ? Non, je regrette pas car je sais ce que je veux faire et que l'AMFR était une bonne école pour apprendre tout ce qui est pratique et tout ça. Et toi, Tiffaine ? Mais je suis tout à fait d'accord avec Emma parce que du coup nous avons pris un engagement en faisant cette formation à l'AMFR de Saint-Renan. C'est pour cela que du coup nous savons les avantages et les inconvénients de cette formation. Conclusion, venez dans cette formation si vous voulez travailler dans l'aide à la personne. Bonjour, je m'appelle Anaï et j'ai 16 ans. Et je suis en première bac pro service aux personnes et au territoire à la MFR de Saint-Renan. Avant la MFR, j'étais au collège du Visac à Guipava. Donc après le bac pro, j'aimerais passer le DEME, donc le diplôme d'état de moniteur éducateur. Et j'ai effectué plusieurs stages depuis la seconde, mais il y en a un qui m'a particulièrement plu. Donc c'est un stage en animation en EHPAD. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le contact avec les résidents. Donc j'ai choisi la voie professionnelle car je voulais avoir de l'expérience professionnelle à la fin du lycée grâce au stage. La formation en alternance, elle n'est pas facile car en plus des stages, il faut travailler le soir et la recherche des stages, elle est pas facile non plus. Mais en travaillant un peu, bah on y arrive. Et faut quand même faire attention à bien séparer le stage et le lycée. Mais je suis quand même contente d'être en bac professionnel parce que j'aurais pas aimé aller tous les matins au lycée, faire toujours la même chose, c'est pas trop mon truc. Donc je trouve que le bac pro c'est vraiment super. Bonjour, je m'appelle Emma Girard, je suis en première bac pro SAPAT et j'ai 17 ans. Avant d'être à la MFR, j'étais au collège Kerzoir qui se situe à Saint-Renan. Après la terminale, mon projet est de devenir auxiliaire puéricultrice dans les hôpitaux. On peut aussi être auxiliaire puéricultrice dans les crèches. Depuis mon année de seconde, j'ai pu faire plusieurs stages. Donc j'ai fait des stages en restauration collective, dans une MAM, EHPAD, hôtel, école maternelle. Le stage que j'ai préféré, c'est en MAM, car c'est avec les enfants et c'est dans le domaine que je souhaite m'orienter. J'ai choisi la voie professionnelle car on peut faire des stages comparés à la voie générale. Ça m'a permis de gagner de l'expérience en faisant différents stages. L'alternance, elle n'est pas faite pour tout le monde parce qu'il faut savoir s'habituer en étant en stage et en cours. Parce qu'on alterne entre les deux et quand on rentre parfois de stage, c'est des horaires... on peut rentrer très tard et il faut savoir faire nos devoirs, les rapports de stage et tout rendre dans un temps demandé. Je regrette pas d'être partie dans une voie professionnelle parce que, comme j'ai dit, ça m'a permis de gagner de l'expérience et de voir depuis ma seconde, si je souhaite toujours m'orienter vers le auxiliaire puéricultrice et ça tient toujours. Voilà. Bonjour, je m'appelle Eliane Kerr, j'ai 17 ans, je suis à la MFR de Saint-Renan depuis maintenant 2 ans. Je suis la formation Bac Pro Service aux Personnes et au Territoire. Avant de venir à la MFR, j'étais en collège général à Nelson Mandela à Plabennec et plus tard j'aimerais être auxiliaire de puériculture. Durant mes 2 ans de formation, donc j'ai effectué plusieurs stages avec les enfants, les personnes âgées et même en restauration collective. Ceux qui m'ont le plus plu, c'est ceux au niveau des enfants, donc ça me conforte vraiment dans mon choix de la petite enfance pour mon futur métier. Pour la voie professionnelle, je l'ai choisie car il y a beaucoup plus de stages, donc ça nous insère mieux dans le monde professionnel, puis on apprend beaucoup mieux les métiers en étant sur le terrain. Et pour finir, pour la formation en alternance, alors on va pas mentir, elle est un petit peu compliquée, parce qu'il faut savoir gérer stages et travaux d'alternance, mais si vous êtes vraiment motivé et que vous avez vraiment un métier qui vous plaît, elle est accessible pour tout. Bonjour, je m'appelle Zéphir Kamedic, je suis en première professionnelle service aux personnes et au territoire. Donc ça fait 2 ans que je suis à la MFR. Avant, je faisais un parcours classique au collège Édouard Kio à Port-Sal. Donc si je suis venu en AMFR, c'est pour faire un parcours dans l'aide à la personne.
Donc ce que j'aimerais faire plus tard, ça serait sûrement avec des personnes âgées ou alors des enfants en situation de handicap. Avec des enfants en situation de handicap. Donc depuis que je suis à l'AMFR, j'ai fait des stages qui sont principalement en EHPAD, donc avec des personnes âgées. J'ai fait aussi un stage en IUM, donc avec des enfants en situation de handicap. Et j'ai fait un stage, deux stages en garderie et un stage en cantine scolaire. Donc le stage qui m'a le plus plu, c'est celui avec des enfants en situation de handicap, donc parce que j'ai découvert que les enfants du handicap, ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et les enfants, eux, ils étaient très contents aussi. Donc ça m'a vraiment plu. Donc si je suis venu en AMFR, c'est pour pouvoir faire des stages et en même temps les cours. Donc c'était un entre-deux parce que niveau scolaire, j'étais pas très très bon. Et donc les stages étaient un bon compromis pour alterner les cours et les stages. Donc après, les intérêts des stages, c'est qu'on peut se mettre dans la situation d'un salarié. Donc quand on arrive en structure, on découvre la structure, les activités qui sont proposées. Donc on se met vraiment dans la peau d'un salarié. Donc la voie professionnelle est disponible pour tout le monde. Tout le monde peut venir à la MFR. Donc il faut s'en donner les moyens. Donc ça veut dire qu'en stage, il faut prendre le statut de salarié et non de simple stagiaire. Donc, comme j'ai dit, il faut prendre un statut de salarié et donc il faut venir en stage. Et c'est pareil quand on est en cours, donc on reprend le statut d'élève. Donc il faut aussi venir en cours et non, pour certaines excuses, ne pas venir. Donc après, est-ce que j'ai des regrets? Oui, j'aurais aimé suivre un parcours classique avec plus de cours parce que je voulais me donner les moyens de réussir dans un parcours classique. Mais je n'avais pas les possibilités, donc c'est pour ça que je suis venue. Donc venez nombreux à la MFR, on vous accueillera à Bordeaux. Bonjour! Alors je me présente, je m'appelle Sarah Laurence, j'ai 18 ans. Je suis en première bac pro SAPAT, service à la personne et au territoire, à la MFR de Saint-Renan. Alors bonjour, moi c'est Marion Laridon, j'ai 16 ans et je suis en première bac pro service aux personnes et au territoire, à la MFR de Saint-Renan. Alors mon parcours scolaire... de la 6e à la 3e, j'étais à Saint-Exupéry à l'Aisne-Vin et je suis arrivée en seconde. Alors du coup, moi j'ai fait ma 6e, 5e, 4e au Collège Saint-Joseph à Ploudalmézeau et je suis arrivée à l'AMFR en 3e. Alors mon projet professionnel est confus car au début de ma seconde, je voulais être avec les enfants, mais finalement, je veux plus partir dans les pompes funèbres. Moi, en seconde, je savais pas ce que je voulais faire. Et depuis le début de ma première, je veux travailler avec les enfants et plus précisément en tant qu'animatrice. Durant l'année de seconde, on a fait plusieurs stages. On a fait la petite enfance, les personnes âgées, la cuisine collective. Et pendant les vacances, on a fait une semaine en animation ou alors en centre aéré. Mon stage qui m'a le plus satisfait, c'est la petite enfance, car on voit vraiment leur évolution et on peut leur apprendre énormément de choses. Alors moi, le stage qui m'a le plus plu, c'est le stage en restauration collective, car l'ambiance a été vraiment bien. Du coup, voilà. Pourquoi ai-je choisi la voie professionnelle? Donc, j'ai choisi la voie professionnelle car ça nous permet d'avoir de la maturité et de voir vraiment les vraies valeurs du travail. Et ça nous permet d'être autonome aussi pour notre vie future. Alors, moi, j'ai choisi la voie professionnelle parce que quand je suis arrivée en troisième, j'avais des difficultés scolaires et que je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. Du coup, voilà. Alors, les intérêts des stages, c'est... c'est de prendre de la maturité parce que quand on est en troisième, c'est vrai que la maturité, c'est compliqué de l'avoir. Donc, ça nous permet aussi de voir vraiment les métiers en général, de prendre confiance aussi en nous. Donc, voilà. Et du coup, en seconde, c'est d'acquérir des connaissances et de l'expérience au niveau de l'aide à la personne. Alors, la formation en alternance est-elle facile, accessible, possible pour tout le monde? Donc non, c'est pas facile du tout. Faut vraiment s'accrocher, vraiment, parce que on a beaucoup de devoirs quand même. Quand on va en alternance, donc ça veut dire en stage, on a des rapports de stage à faire, on a des oraux, donc c'est vraiment pas facile. Faut vraiment
faut vraiment bien réviser les cours et faut vraiment être motivé. Ouais, c'est pas aussi parce qu'on est en stage qu'on doit mettre les cours de côté, quoi. Alors, les précautions et les points de vigilance qu'il faut avoir, c'est qu'il faut vraiment rendre ses cours en temps et en heure, car souvent, l'alternance, c'est noté. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment apprendre ses cours. Enfin, il faut vraiment travailler, en fait. On n'est pas là en vacances. Il faut vraiment bosser pour plus tard avoir son bac, si on a envie d'aller jusqu'au bac. Il faut vraiment travailler, parce que n'empêche, c'est très, très dur. Il faut être motivé. Tout à fait. Ai-je des regrets par rapport à l'enseignement traditionnel à temps plein ? Donc, personnellement, moi, non. Parce que... de base, j'aimais pas du tout les cours, j'aimais pas l'école. Et quand je suis arrivée à la MFR, j'ai découvert les stages et ça m'a beaucoup plu de voir divers métiers. Donc non, moi, j'ai vraiment pas de regrets. Et toi ? Alors moi, j'ai pas de regrets non plus. Enfin, si j'en ai un, c'est que les plannings des semaines, ils sont, ça change tout le temps en fait. Du coup, on sait jamais vraiment à l'avance ce qu'on va avoir. Enfin, si on sait, mais bref, c'est pas toute l'année le même. Et les horaires aussi, parce que du coup, on travaille tout le mercredi après-midi. C'est des horaires 8h30, 16h45. Enfin, du coup, voilà, mais sinon, j'ai aucun regret. Et quand on est aussi à l'internat, il y a des études le soir. Donc, c'est de 17h30 à 18h35. Donc, c'est vraiment fatigant parce que c'est des journées longues. Et en plus, après, on est à l'internat, donc c'est super long. Mais ça nous permet aussi de faire nos devoirs. Si on a besoin d'aide, il y a ça souvent... Ça nous incite à travailler, quoi. Ouais, voilà. Mmh. En plus, il y a un professeur avec nous ou la surveillante de nuit. Donc, on peut leur demander de l'aide si on a besoin. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Rosane Le Goff, j'ai 17 ans. Je suis scolarisée à la MFR de Saint-Renan en première bac pro sapate et je suis ici depuis la quatrième. Avant, j'étais au collège Notre-Dame de Carbone à Brest. Donc, je vais vous parler de mon projet après le bac. Donc, mon projet professionnel est de passer le diplôme d'aide-soignante. Depuis la seconde, j'ai effectué des stages en EHPAD. Et les stages qui m'ont le plus satisfait sont les stages en tant qu'aide-soignante. J'ai choisi le mode alternance parce que pour moi, les cours en général, c'était pas intéressant et c'était beaucoup trop long. Et la raison de pourquoi je suis restée ici, c'est la préparation à la vie professionnelle. Pour moi, les stages ici, ils servent à découvrir différents métiers et donc à trouver notre futur métier. L'alternance, il faut savoir qu'elle est vraiment pas facile, c'est très fatigant et assez compliqué pour s'adapter à l'organisation. Il faut faire attention de pas se décourager dans les cours et ne pas penser que durant les stages, nous avons pas de travail parce qu'au contraire, durant les semaines d'alternance, nous avons beaucoup plus de travail que en lycée général. Pour mon choix professionnel, je n'ai aucun regret de scolarité car le professionnel me va beaucoup mieux et cela m'a aidé à trouver mon futur métier. Bonjour, je m'appelle Mélissa et je suis en compagnie de Amélie et Pierre. Et voilà. Et nous sommes à MFR de Sarnan, en bac pro service à la personne et au territoire, et nous sommes en première. Donc avant d'arriver à la MFR, j'étais en seconde dans un bac STE2S au lycée général. Et avant d'arriver en bac pro, je me suis dirigée vers un CAP. Alors donc moi j'étais en bac pro système numérique, j'ai été jusqu'à la terminale, mais finalement j'ai arrêté et je suis arrivée ici en première directement. Alors moi j'ai fait mon début du collège à Kerala, je suis arrivée ici en troisième et j'ai continué en bac pro service à des personnes quoi. Voilà. Et du coup, c'est quoi ton projet professionnel, Amélie ? Moi, mon projet professionnel, c'est de devenir infirmière puéricultrice. Et toi ? Moi, je sais pas encore, juste je vais aller jusqu'au bac et après je verrai. Et moi, je voulais être infirmière, mais je sais pas encore si je vais être infirmière ou aide-soignante ou auxiliaire de puéricultrice, donc voilà. Du coup, notre parcours de stage, on a réalisé plusieurs stages, on a effectué plusieurs stages dans le service à la personne. Donc voilà. Et Amélie, quel stage t'as le plus satisfait ? Moi, mon stage qui m'a plus satisfait, c'est pas grave. c'est plus dans le domaine de la petite enfance, donc l'école maternelle et la crèche, parce que vu que je veux me diriger dans ce domaine-là, ça m'a permis de voir. Et de confirmer ce que je voulais faire plus tard.
Moi, c'était le dernier stage que j'ai fait, c'était dans un EHPAD. Et juste l'équipe et tous les personnes âgées étaient adorables. Du coup, c'était vraiment cool. Et toi, Lisa? Et moi, bah, c'était au secours populaire parce que aider les personnes en difficulté, ça m'a beaucoup touchée. Et de les voir reconnaissants et tout, bah voilà. Alors moi j'ai choisi la voie professionnelle juste parce que je trouvais ça intéressant d'avoir moitié cours et moitié stage, c'était un équilibre qui me plaisait, voilà. Et vous oui. Non, moi honnêtement c'est parce que je n'aimais pas du tout les cours, du coup je me suis dit, vu qu'il y avait autant de stages que de cours, pourquoi pas essayer. Ok, et ben moi c'est pareil qu'Amélie, j'aimais pas du tout les cours, voilà. Et du coup, on m'avait parlé de la MFR, et du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer, surtout que les stages, bah, ça me plaisait beaucoup, donc bah, voilà. Du coup, les intérêts des stages, ça permet d'avoir de l'expérience professionnelle. Oui, ça permet de savoir aussi ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. Et aussi d'acquérir des compétences et des connaissances. Donc pour moi, la formation en alternance, tout le monde peut le faire, même si il faut un peu plus travailler car on a des stages, donc on a moins de temps en cours pour tout réviser, tout ça. Et il y a également des matières pro en plus, du coup il y a ça. Mais même si le niveau en soi, contrairement aux bacs normaux, et le niveau est moins élevé, mais il y a plus de choses en soi, du coup il faut quand même prévoir de travailler. Voilà, on est tout à fait d'accord avec toi. Du coup, quelles sont les précautions? Bah, c'est d'être super organisé, ne pas s'y prendre à la dernière minute le dimanche soir, comme moi, parce que sinon on n'y arrive pas et on prend super beaucoup de temps. Et toi? Bah, moi je suis d'accord avec toi parce que quand on est en période de stage, il ne faut pas oublier que derrière il est court. Donc, comme Elissa le dit, il y a tendance à faire tout à la dernière minute, donc pas être organisé, donc pas travailler les cours. Donc, il est super important d'être organisé. Et même aussi quand on est en cours, il ne faut pas oublier de penser et de chercher des stages, parce que si on ne valide pas toutes nos semaines de stage, on ne valide pas notre année et on ne peut pas passer à l'année suivante, du coup. C'est ballot. Voilà, quoi. Est-ce que j'ai des regrets par rapport à l'enseignement traditionnel? J'ai pas du tout de regrets, je suis très contente d'être là. Mais moi, ce qui me manque, c'est peut-être les horaires ou changer de classe, enfin voilà, des choses d'un lycée traditionnel, quoi. Moi, non, j'ai pas de regrets. Bah, en fait, le fait, comme je vous ai dit au début, j'aimais pas du tout les cours. Et le fait d'être en bac pro, bah, ça m'a permis à re-aimer les cours. Le fait qu'on ait des coupures. Donc, non, moi, il n'y a rien qui me manque ou des regrets. Rien. Moi, ce qui me manque un peu, c'est que les emplois du temps, avant, ils étaient fixes. On avait les mêmes cours au même moment. Et on avait nos mercredis après-midi. Et ça, c'était bien. Mais du coup, là, on n'a pas ça. Mais c'est pas grave, ça change un peu. C'est intéressant aussi. Ouais. Donc, bah voilà, on a fini. Et venez tous à l'AMF. Bonjour, je m'appelle Lucie Laure, je suis en première bac pro service aux personnes et au territoire depuis la rentrée de 2021. Alors moi j'ai eu un parcours scolaire basique jusqu'à la troisième et arrivée au choix de la seconde, j'ai décidé d'aller vers une seconde générale au lycée de Sainte-Anne car j'étais acceptée en section internationale anglais. Ayant développé une grosse phobie scolaire, j'ai décidé de me diriger un mois après la rentrée vers mon deuxième choix, qui était la seconde technologique ST2S à Fénelon. Ça restait compliqué d'aller en cours pour moi et donc en parallèle, j'étais au CNED pour certaines matières. Donc mon projet futur, c'est après le bac de faire une année pour être auxiliaire de puériculture et pourquoi pas un peu plus tard faire 3 ans d'infirmière avec un supplément d'une année pour faire infirmière puéricultrice. Donc en arrivant à la MFR cette année en première, j'ai commencé par un stage en IEM avec des enfants porteurs de handicap moteur et ça m'a énormément plu. J'ai beaucoup aimé venir en aide aux enfants en difficulté. Ensuite j'ai fait un stage en crèche, suivi d'un en maternelle, puis là je vais finir l'année par un stage en MAM. Je suis très intéressée, on va dire, par la petite enfance.
et je vais plutôt me diriger vers ce secteur. Pour moi, mon stage qui m'a le plus satisfaite, c'était le stage en crèche, car je me suis bien intégrée dans l'équipe, je me sentais à l'aise, ils avaient confiance en moi et ils me donnaient pas mal de responsabilités. Donc on se sent plus vite grandir aussi, devenir un petit peu adulte. Quand j'ai découvert le bac pro SAPAT, pour moi, ça a été tout de suite une évidence. C'est vraiment mon domaine, c'est ce que je veux faire et c'est un bac qui m'intéressait beaucoup et que je ne connaissais pas au départ. Alors en alternance, les stages nous aident à rentrer dans la vie active petit à petit. C'est aussi grâce à ça un moyen de grandir, prendre confiance en nous aussi un petit peu. La formation en alternance pour certains peut paraître très simple, mais c'est tout le contraire en fait. Moi-même ayant au départ des facilités, pour moi c'est pas toujours facile. Je dois vraiment travailler tous les soirs. Il faut prendre de l'avance parce qu'on a pas mal de travail, surtout pendant les alternances et le week-end aussi. En étant à la MFR, on nous supprime quelques semaines de vacances sur l'année. Bon, 3 semaines de moins en tout sur l'année, donc c'est pas beaucoup. Et au contraire, c'est bien, je trouve, parce que ça nous permet petit à petit de se séparer de nos vacances qu'on avait toujours avant. Et donc on se rend compte que là, on va entrer dans la vie active et on y va petit à petit, donc c'est très bien. Donc voilà, j'espère vous avoir satisfait et aidé sur votre choix de venir à la MFR ou non. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Émilie Lucas, j'ai 17 ans, je suis en première bac pro SAPAT, service aux personnes et au territoire, à la maison familiale de Saint-Renan. Avant d'arriver à la maison familiale, j'étais au collège Saint-Stanislas à Saint-Renan, de la 6e à la 4e. Je suis arrivée en 3e à la maison familiale pour travailler avec les enfants. Puis nous avons effectué des stages et j'ai fait un stage avec les personnes âgées dans un EHPAD. Et ce stage m'a beaucoup plu, ça m'a permis de réaliser qu'en fait j'ai envie de devenir aide-soignante en EHPAD et j'ai moins envie de travailler avec les enfants. Je suis venue en alternance du coup pour apprendre le métier avec les enfants, je ne savais pas vraiment quoi faire. Et du coup de faire l'alternance, ça me permet de découvrir d'autres métiers et du coup d'approfondir mes expériences professionnelles. Donc pour moi, l'alternance, c'est assez difficile parce qu'il faut réussir à trouver les stages dans les temps, à faire signer les conventions de stage. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et le retour des cours est aussi difficile parce qu'il faut savoir gérer le temps des stages et des cours. Donc faire à peu près une heure de cours après les stages. Donc c'est un peu compliqué parce qu'avec les stages, on est fatigué. Mais pour réussir, il faut travailler. Donc je regrette pas d'avoir été en alternance parce que je sais que j'aurais pas pu rester toujours à l'école assise sur une chaise parce que je savais que j'avais besoin de bouger et du coup je trouve que c'est bien l'alternance mais c'est un peu compliqué à la fois. Je suis Elvin Malé-Fangrouet-Bert, je suis actuellement en première bac pro SAPAT, service aux personnes et au territoire. Avant cette formation, j'ai fait un CAP sabeur. Mon but dans la vie, c'est de devenir infirmier. Au niveau des stages, j'ai découvert de nombreux métiers dans diverses structures, comme en EHPAD, les aides-soignants, l'animateur, l'agent hôtelier et au niveau de la sécurité incendie. Pour le stage qui m'a plu, c'était à l'EHPAD du Conquet, parce que c'est vraiment divers j'ai fait diverses activités dedans. En animateur et en agent hôtelier. Avec le contact des personnes âgées aussi, ça m'a beaucoup plu. La voie professionnelle d'infirmier, car j'aime rendre service et j'apprécie d'aider les autres qui sont dans le besoin. L'intérêt des stages, c'est d'apprendre sur le terrain et de gagner en expérience. La formation n'est pas facile pour tout le monde, car il faut trouver un rythme de travail entre stage et école. Cette formation n'est pas accessible pour tous, car on est tous différents, et certaines personnes aiment la routine du travail à l'école. Ai-je des regrets par rapport à l'enseignant traditionnel à temps plein ? Non, car la MFR offre une liberté de stage et de découverte de métiers. Et on est plus souvent en stage qu'à l'école.
on peut découvrir une profession qu'on n'aimait pas avant. Anaïs Merour, je suis à l'AMFR de Sarnant en bac pro première service aux personnes et au territoire. Et plus tard, j'aimerais bien faire une prépa aide-soignante pour devenir aide-soignante en EHPAD. Donc, depuis ma seconde SAPAD, j'ai pu effectuer plusieurs stages en alternance avec les cours, comme en restaurant universitaire, en école maternelle, en établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, en cabinet de kinésithérapeute, fac de sport et auberge de jeunesse. Donc, en fait, le stage qui m'a le plus plu, c'est en EHPAD. Parce que du coup, comme j'ai déjà dit, j'aimerais bien être soignante et ça m'a permis de voir, ça m'a permis de confirmer ma voie professionnelle, on va dire. J'ai choisi d'être aide-soignante plus tard parce que j'adore être auprès des personnes âgées et faire des soins et voir ce que font comme activité quotidienne les aide-soignantes, en fait, j'adore. Donc voilà. Donc la formation en alternance n'est pas simple. Parce que faut savoir gérer en fait son alternance quand on est en stage. Et faut savoir aussi anticiper la recherche du stage. Donc en fait toute la formation c'est de l'anticipation. Mais sinon c'est super bien parce que en fait ça nous permet d'alterner entre les stages et les cours. Et pour ceux qui ont du mal un peu avec le scolaire, en fait c'est moins dur en fait la cadence. Et le fait d'avoir en fait un CV bien rempli avec l'alternance, ça me donne un plus en fait pour ma recherche de stage et mes futurs jobs. Hola, meilleure Molly Lou. Bonjour, je m'appelle Doriane et on est en première bac pro service aux personnes au territoire à l'AMFR de Saint-Renan. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre parcours scolaire et tout ça. Et nos choix. Voilà. Du coup, on vient d'un collège général. Oui, on était toutes les deux dans la même classe depuis voilà, presque la sixième. C'est ça. Et on s'est retrouvés à venir en professionnel parce qu'on savait à peu près ce qu'on voulait faire. Du coup, c'était dans l'aide à la personne. Après, le pourquoi du comment on a voulu intégrer cette école est différent parce qu'elle, c'est un parcours qui est différent du mien. Ouais. Mais on avait les mêmes envies. Voilà. Du coup, nous, par la suite, on a un projet... professionnel qui est plutôt clair pour nous deux. Ouais, on a à peu près le même. Ouais, en plus. Donc le public qu'on apprécie tous les deux, c'est les personnes âgées. Ah ouais. Les enfants, c'est pas notre truc. Ah, pas du tout. Pas du tout, clairement pas. Et du coup, moi j'aimerais bien faire être soignante en alternance ou rentrer directement en école d'infirmière. Et moi, du coup, j'aimerais faire être soignante en apprentissage. Mais et si j'arrive à aller plus loin, entrer dans une école d'infirmière, si jamais j'ai les capacités. Ouais. Le stage, je pense pour nous deux qu'il nous a le plus avec les personnes âgées. Ouais, ça a été le stage qui a été décisif pour moi. C'était le stage que j'ai fait en seconde, le dernier. C'était personne aidée et fallait choisir du coup un public. Et moi, j'ai choisi d'aller faire mon stage à la Marpa de Ploudaniel. C'est une résidence pour personnes autonomes. Et du coup, j'ai adoré mon stage. Voilà. Je pense que c'est commun à nous deux. On a choisi la voie professionnelle parce que on n'aimait pas l'école et qu'on voulait se rentrer dans le monde du travail plus vite que prévu. Et au final, bonne décision, franchement. Ah, on adore, vraiment. On a un avenir. Ah bah là, du coup, on s'est créé un avenir, clairement. Oui, et les stages, c'est super intéressant parce qu'on apprend différemment les choses. Mais on apprend quand même énormément de choses et on progresse plus vite. Du coup, franchement, c'est quelque chose qui est super intéressant. Mais venez faire en alternance si vous n'êtes pas capable de travailler chez vous et de faire du travail personnel. Parce que c'est super fatigant l'alternance parce qu'il y a devoir, stage, école. Devoir, stage, école. Et après, il faut aussi être assez, comment dire, organisé fort aussi. Et organisé. C'est vraiment au niveau du mental que ça marche énormément. Parce que si jamais notre mental tient pas, on ne tiendra pas. C'est clairement ça. Ouais. Moi, personnellement, j'ai aucun regret par rapport au général. Je suis bien contente d'être rentrée en professionnel. Et on a un emploi à la fin de... De chaque stage, voilà. Presque à chaque fois. On a eu que des bonnes appréciations. Du coup, si vous êtes intéressés, venez à la MFR. Venez nous voir. On est là, toujours.